Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un épisode de Apprendre ensemble, où en fait nous révisons des flashcards santé, accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Comme première flashcard que nous aborderons, nous évoquerons le euh, processus, ou plutôt le principe de sulfuration. Et pour ce qui est de la deuxième flashcard, ce sera comme d'habitude la flashcard inédite et on abordera la gérontologie. Ça vous va Alors, c'est parti C'est quoi la sulfuration Alors, euh, je me rappelle même pas euh, qu'on l'ait déjà eu en flashcard ensemble, celle-ci, euh, ou peut-être tout au début de ce type de contenu, où on a vu des flashcards ensemble. Euh, donc ça reste encore flou. Je sais plus si c'est considéré comme un processus ou pas, mais j'ai comme un souvenir que ce soit le cas, donc partons sur ce principe. Euh, la sulfuration serait du coup un processus où on ajoute des atomes de soufre à d'autres molécules et... et puis voilà en fait hein. aussi simple que ça et je pourrais pas en dire plus parce que j'en connais pas plus, en tout cas c'est une étape qui est cruciale et je suis en train de penser tout de suite, vous savez, à ce fameux sulforaphane présent dans tous les crucifères et ayant un, un, un pouvoir dingue sur la santé Eh ben on a le même préfixe soit sulfu Rafane. Et là, pour ce sujet de flashcard, on a sulfuration. Donc ça rappelle bien le groupe Thiol, donc euh, les atomes de soufre. Et on a, euh, alors je n'ai pas envie de citer de chiffres parce que je connais pas trop le sujet, mais tellement de substances ou de molécules en général euh, en biologie qui peuvent être modifiées au niveau de leur structure grâce à ce processus de sulfuration. Donc euh, c'est quand même crucial et le sulforaphane en fait est euh, es un exemple parmi tant d'autres euh, j'ai comme le souvenir qu'on a certains acides aminés qui euh, nécessitent de ce processus biochimique euh, mais là c'est pareil je vais pas trop m'avancer euh, puis voilà hein. passons tout de suite à la vérif parce que je sais pas quoi ajouter c'est parti coucou c'est quoi la sulfuration la sulfuration est un processus biochimique qui implique l'ajout d'un groupement sulfuré, soufre, à une molécule organique. Ce mécanisme est essentiel pour diverses réactions métaboliques dans le corps humain, notamment dans la détoxification des toxines et la régulation de, de l'activité enzymatique. Il joue un rôle clé dans le métabolisme de nombreux composés, en particulier les acides aminés soufrés comme ah, la méthionine méthodine. et la cystéine, cystéine causes et facteurs de risque. Les perturbations dans les voies de sulfuration peuvent être causées par plusieurs facteurs. Déséquilibre alimentaire. Une carence en soufre ou en nutriments nécessaires à la synthèse d'acides aminés soufrés, par exemple la méthionine, peut entraver la sulfuration. Exposition aux toxines. Une surcharge de toxines, comme des produits chimiques ou des médicaments, peut perturber la capacité du corps à utiliser les voies de sulfuration. Hmm. Troubles génétiques. Des mutations dans les enzymes impliquées dans la sulfuration, telles que la sulfotransférase, peuvent réduire l'efficacité du processus. Mécanismes physiologiques ou scientifiques sous jacent Le processus de sulfuration dépend de l'enzyme sulfotransférase, qui catalyse le transfert d'un groupement sulfate à une molécule cible, souvent un substrat toxique ou une hormone, pour faciliter sa détoxification ou régulation. Les produits sulfés sont ensuite plus solubles dans l'eau, ce qui permet leur excrétion par les reins ou la bile. Les composés soufrés participent également à la synthèse du glutathion, un puissant antioxydant qui protège les cellules contre le stress oxydatif. La sulfuration à travers ce mécanisme joue donc un rôle clé dans la protection contre les dommages cellulaires. La sulfuration peut être comparée à un revêtement protecteur. Imagine que tu recouvres un objet sale avec une couche d'eau savonneuse pour mieux le nettoyer. De la même manière, la sulfuration ajoute un groupement sulfuré à une toxine pour la rendre plus soluble et plus facile à éliminer du corps. Le terme sulfuration provient du latin sulfur qui signifie soufre, un élément chimique découvert dès l'Antiquité. Le soufre était ah oui, considéré comme un élément mystique et souvent associé au feu et à la purification dans les écrits anciens. L'usage mmh. médical du soufre remonte à plusieurs siècles, notamment dans les traitements des infections cutanées. C'est au cours du XXe siècle, avec l'essor de la biochimie, que le rôle essentiel du soufre dans les réactions enzymatiques a été découvert. Historiquement, des chercheurs ont découvert que le soufre n'était pas seulement un élément externe, mais jouait un rôle crucial dans la biochimie interne de l'organisme. Le soufre a été reconnu pour sa contribution à des processus métaboliques tels que la formation de ponts disulfure dans les protéines, assurant ainsi la stabilité de la structure des protéines. Ces découvertes ont permis de comprendre l'importance de la sulfuration dans la détoxification et le métabolisme. Alimentation. Inclure des aliments riches en soufre. Comme l'ail, l'oignon, les œufs et les légumineuses, peut soutenir le bon fonctionnement des voies de sulfuration. Ces aliments contiennent également des composés soufrés bénéfiques, comme les sulfures d'allyle. Hydratation. Une bonne hydratation est cruciale pour éliminer les produits sulfés par les reins. Soutien au foie. Le foie étant le principal organe impliqué dans la sulfuration et la détoxification, adopter un régime riche en antioxydants et en fibres peut aider à améliorer ses fonctions. Lien avec d'autres domaines de santé ou disciplines. La sulfuration est liée à plusieurs domaines de la santé, notamment pharmacologie. La sulfuration est un mécanisme clé dans le métabolisme des médicaments. Certains médicaments doivent être sulfatés pour être éliminés efficacement du corps. Immunologie. Le glutathion, produit via des voies souffrées, est un antioxydant majeur dans la défense immunitaire contre les infections et l'inflammation. Toxicologie. Le rôle de la sulfuration dans la détoxification des substances nocives, en fait un processus essentiel pour limiter les dommages liés à l'exposition environnementale. La sulfuration peut être comparée à la méthylation, un autre processus de modification chimique qui ajoute un groupe méthyle, -CH3, à une molécule. Les deux processus participent à la détoxification, mais la méthylation se concentre sur d'autres types de composés. Tandis que la sulfuration se concentre sur l'élimination des toxines, la méthylation intervient également dans la régulation de l'expression des gènes. Pour te souvenir du processus de sulfuration, pense à soufre et quoi Savon. Le soufre agit comme du savon dans le corps, en enveloppant les toxines pour les rendre solubles et faciles à éliminer. Imagine une chaîne de montage où chaque toxine est recouverte de savon, le groupe sulfuré, avant d'être évacuée. Vrai ou faux La sulfuration est un processus qui ajoute un groupe méthyle à une molécule toxique pour faciliter son élimination. 2. Choix multiples. Quel est le principal rôle de la sulfuration dans le corps humain A. Réparation de l'ADN. B. Production d'énergie. C. Régulation de la minéralisation osseuse. Détoxification des toxines. Indique tes réponses. Et je te donnerai ensuite l'explication. Alors, pour la première question en vrai ou faux, euh, la sulfuration est un processus qui ajoute un groupe de méthyl à une molécule toxique pour faciliter son élimination. Faux. On vient de voir que non. Et on a même fait une comparaison avec la méthylation pour bien distinguer les deux, malgré leurs points communs dans la détox. Et pour ce qui est de la deuxième question, où il faut choisir le rôle principal euh, de la sulfuration parmi euh, les quatre euh, réponses proposées. Je choisis la réponse D, du coup, soit détoxification des toxines, c'est ce qu'on vient de voir, sachant que les trois autres réponses n'ont rien à voir avec la sulfuration, car on a la réparation de l'ADN, c'est pas du tout le rôle de la sulfuration, production d'énergie non plus, et régulation de la minéralisation osseuse, pas du tout. Donc voilà! Tes réponses sont correctes. 1. Vrai ou faux? La sulfuration est un processus qui ajoute un groupe méthyle à une molécule toxique pour faciliter son élimination. Réponse Faux. La sulfuration ajoute un groupe sulfate et non méthyle à une molécule toxique pour faciliter son élimination. 2. Choix multiple. Quel est le principal rôle de la sulfuration dans le corps humain D. Détoxification des toxines. La sulfuration aide le corps à se débarrasser des toxines en les rendant plus solubles dans l'eau, ce qui facilite leur élimination. Bravo pour ta compréhension du sujet. Hey, salut les mangeurs malins, on y va sans plus attendre, c'est parti. C'est quoi la gérontologie Alors là. <laughs> je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit qu'on allait la voir ensemble aujourd'hui en flashcard inédite. Euh, donc voilà, je ne sais pas du tout. Je me dis peut-être, alors là, sans aucun argument en lien avec euh, la grossesse. Euh, la grossesse, mais je sens que c'est pas du tout ça. Une thérapie, une médecine alternative en lien avec Géron. Géron, je sais pas du tout ce qu'est ce préfixe au niveau de l'étymologie. Euh, donc passons à la vérif. C'est parti. C'est quoi la gérontologie La gérontologie est l'étude scientifique du vieillissement et de ses conséquences sur les individus et la société. Elle englobe les aspects biologiques, psychologiques et sociaux du vieillissement, ainsi que les mesures pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Contrairement à la gériatrie, qui se concentre sur le traitement des maladies des personnes âgées, la gérontologie se penche sur les processus normaux du vieillissement, causes et facteurs de risque. Le vieillissement est un processus naturel influencé par plusieurs facteurs. Okay. Génétique. La longévité et le processus de vieillissement sont en partie déterminés par les gènes environnement environnementaux. Oh oui. L'exposition à des facteurs comme la pollution, le stress et les conditions de vie peut accélérer le vieillissement. Mode de vie. Pas... Une alimentation saine, l'exercice physique régulier et une bonne gestion du stress contribuent hum. à ralentir le vieillissement. Santé générale. Les maladies chroniques, le tabagisme et l'obésité peuvent exacerber les effets du vieillissement. Mécanismes physiologiques ou scientifiques sous-jacents. Le vieillissement est lié à plusieurs mécanismes biologiques. Un dommage cellulaire accumulé. Au fil du temps, les cellules accumulent des dommages, notamment dans l'ADN, les protéines et les membranes cellulaires, ce qui limite leur capacité à fonctionner correctement. 2. Sénescence cellulaire. Les cellules perdent leur capacité à se diviser et deviennent vieilles, ce qui altère la régénération des tissus. 3. Diminution des capacités des systèmes physiologiques. Les systèmes cardiovasculaires, immunitaires et musculosquelettiques deviennent moins efficaces avec l'âge. 4. Raccourcissement des télomères. Mmh. Les télomères, les structures protectrices des extrémités des chromosomes, se raccourcissent avec chaque division cellulaire, limitant ainsi la durée de vie cellulaire. Le vieillissement peut être comparé à une machine qui fonctionne bien pendant de nombreuses années, mais dont les pièces commencent progressivement à s'user. Et à nécessiter des réparations. Les cellules du corps subissent des dommages, perdent de leur efficacité et doivent être remplacées, tout comme les pièces d'une machine vieillissante. Étymologie et contexte historique approfondi. Le mot gérontologie provient du grec géron, qui signifie vieillard, et logia, qui signifie étude. Les premières réflexions sur le vieillissement remontent à l'Antiquité. Où des philosophes comme Platon et Aristote s'interrogeaient sur les implications sociales du vieillissement. Ah ouais. Toutefois, ce n'est qu'au 20e siècle que la gérontologie a émergé en tant que discipline scientifique distincte, notamment grâce aux travaux de chercheurs comme Elie Metchnikoff, qui a introduit l'idée que le vieillissement pouvait être influencé par des facteurs environnementaux. Historiquement, le vieillissement a longtemps été perçu comme un processus inévitable et mal compris. Avec l'avènement des progrès médicaux et technologiques au cours du 19e et 20e siècle, les scientifiques ont commencé à comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents et ont cherché des moyens d'allonger la durée de vie et de réduire les maladies liées à l'âge. Aujourd'hui, la gérontologie est un domaine en pleine expansion, alimenté par le vieillissement de la population mondiale. Conseils pratiques ou applications dans la vie quotidienne. Prévention. Adopter une hygiène de vie saine avec une alimentation équilibrée riche en antioxydants et en nutriments essentiels est crucial pour ralentir les effets du vieillissement. Activité physique. L'exercice régulier aide à maintenir la masse musculaire, la densité osseuse et la flexibilité. Stimulation mentale. Les activités cognitives, comme la lecture, les jeux de réflexion ou les interactions sociales, retardent le déclin cognitif. Soutien social. Maintenir des relations sociales solides et un réseau de soutien aide à protéger contre l'isolement et la dépression, souvent associés au vieillissement. Lien avec d'autres domaines de santé ou disciplines. La gérontologie est intimement liée à plusieurs disciplines, notamment gériatrie, la branche médicale qui traite les maladies des personnes âgées. Psychologie du vieillissement, l'étude des changements cognitifs et émotionnels chez les personnes âgées. Sociologie. Le vieillissement a des implications sociales importantes, notamment en matière de politique publique, mm. d'aide sociale et de logement adapté. Économie de la santé. Le vieillissement de la population pose des défis économiques pour les systèmes de soins de santé à travers le monde. La gérontologie est souvent confondue avec la gériatrie. Mais il est important de noter que la gériatrie se concentre sur le traitement médical Maladie. des pathologies liées à l'âge. Tandis que la gérontologie se consacre à l'étude plus large du vieillissement dans toutes ses dimensions. La sénescence, en revanche, fait référence au processus biologique spécifique par lequel les cellules perdent leur capacité à se diviser, alors que la gérontologie examine l'ensemble des processus du vieillissement. Pour te souvenir de la gérontologie, pense au mot géron, vieillard en grec, et au suffixe logie, étude. Visualise une grande horloge symbolisant le temps qui passe et les effets de l'âge. Cette horloge représente le vieillissement et le savoir, logis, que les scientifiques tentent de maîtriser pour améliorer la qualité de vie. Vrai ou faux La gérontologie se concentre uniquement sur le traitement des maladies des personnes âgées. 2. Choix multiple. Lequel des mécanismes suivants est associé au vieillissement dans le cadre de la gérontologie A. Allongement des télomères. B. Augmentation de la division cellulaire. C. Ses naissances cellulaires. D. Augmentation des capacités cognitives. Une fois tes réponses fournies, je te donnerai l'explication. C'est parti. Alors, pour la première question, vrai ou faux, la gérontologie se concentre uniquement sur le traitement de maladies des personnes âgées ben, C'est faux, parce que comme tu l'as dit, la gérontologie ne se concentre pas sur des spécificités, des spécialités, mais sur le vieillissement au sens large. Et pour la deuxième question, où tu demandes lequel des mécanismes suivants est associé au vieillissement dans le cadre de la gérontologie, je répondrai alors euh, pas l'allongement des télomères, car le vieillissement fait l'inverse, pas l'augmentation euh, de la division cellulaire, parce que justement, avec le temps, arrivé à un certain âge, cette division cellulaire euh, réduit drastiquement. Euh, ensuite, il reste réponse D et C. Je supprimerai la réponse D qui est augmentation des capacités cognitives parce qu'on le sait tous, c'est l'inverse qui se produit avec le temps, même s'il y a des stratégies pour lutter contre ça. Et du coup, il ne reste plus que la réponse C qui est sénescence cellulaire. Donc voilà. Tes réponses sont parfaitement correctes. 1. Vrai ou faux La gérontologie se concentre uniquement sur le traitement des maladies des personnes âgées. Réponse O. Comme tu l'as bien compris, la gérontologie ne se limite pas au traitement des maladies, mais étudie le vieillissement dans son ensemble, en tenant compte des aspects biologiques, psychologiques et sociaux. 2. Choix multiple. Lequel des mécanismes suivants est associé au vieillissement dans le cadre de la gérontologie Réponse C. Sénescence cellulaire. La sénescence cellulaire, qui correspond à la perte de capacité des cellules à se diviser, est un des mécanismes biologiques clés du vieillissement. Bravo pour ta compréhension du sujet. Merci. Alors, c'est intéressant parce que là, l'IA nous fait un petit rappel concernant la sénescence cellulaire en nous disant que c'est un mécanisme clé du vieillissement. Euh, donc, c'est un lien très euh, puissant, je trouve. En plus, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, euh, la, la sénescence en flashcard. Et bien que l'IA nous apprend que la gérontologie, et euh, tout le processus de vieillissement au sens large, sans se focaliser sur des spécificités, eh bien, nous rappelle quand même que parmi ce vieillissement global, on peut même structurer euh, la gérontologie en trois grands euh, euh, aspects. Et elle, elle nous dit aspects biologiques, aspects psychologiques et aspects sociaux. C'est très intéressant, ça me donne vraiment envie d'approfondir le sujet. C'est un sujet qui est quand même très important et qui m'intrigue beaucoup. Je me permets quand même de revenir euh, sur les éventuelles confusions qu'on peut avoir avec ce terme de gérontologie et le terme de gériatrie. Euh, alors, moi, ces deux termes-là, j'en avais déjà entendu parler très rarement, sans connaître ce que c'était. Donc, ça fait vraiment du bien d'en apprendre plus et d'éviter un maximum les confusions qu'on peut avoir avec les termes similaires comme la gériatrie. Donc, petit rappel la gérontologie, c'est le vieillissement au sens large qui se structure par un aspect biologique, sociologique et psychologique, alors que la gériatrie, elle, se concentre sur les traitements médicaux liés à des maladies. Très 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 important comme comparaison, je trouve. Puis voilà, terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao